Bonjour à tous. Dans cette actualisation de nos prévisions saisonnières de Météo Consult, nous allons nous intéresser aux trois prochains mois, avril, mai, juin. C'est donc une bonne partie du printemps jusqu'au premier mois de l'été au-dessus de l'Europe. Alors, pour ce mois d'avril, comme vous le voyez ici, nous allons conserver des hautes pressions, des anomalies de haute pression, plutôt des anticyclones sur la France, plutôt des systèmes dépressionnaires qui vont transiter vers la mer Baltique. Cela devrait entraîner le passage de faibles perturbations sur la moitié nord de la France. Donc dans le sud, on va retrouver un temps plus sec. Ça restera parfois orageux sur l'Espagne et sur les montagnes du Maghreb. Et nos températures pour ce mois d'avril seraient globalement supérieures aux moyennes de saison, en tout cas sur la France, sur l'Europe de l'Ouest. Hein, on serait entre plus 0,5 et plus 1 degré. Et peut-être une anomalie un peu fraîche, persistante, du côté de la mer Baltique et de la Russie. Pour le mois de mai, les anomalies changent un petit peu. On devrait retrouver des basses pressions sur les pays de la Méditerranée, alors que les hautes pressions seraient plutôt de la Scandinavie à l'Europe de l'Ouest. Donc dans ce cas-là, ça réactiverait des pluies et de l'instabilité, mais c'est une très bonne nouvelle hein, pour la pluie sur l'Espagne, un petit peu sur les montagnes du Maghreb, un petit peu à nouveau en France, peut-être plus d'averses et d'orages hein, sur la France pour le mois de mai. Et les températures du mois de mai seraient à peu près de saison, voire un petit peu supérieures, mais sous l'effet des perturbations autour de la Méditerranée, les températures seraient juste de saison. Tout dépendra des nuages et de la fréquence des averses. Mais c'est plutôt pas mal. Hein. Finalement, ça sera peut-être moins sec que prévu le printemps. Pour le mois de juin, par contre, là, ce serait à nouveau des hautes pressions, anomalies positives de pression atmosphérique sur l'Europe et sur la France, avec tout de même, a priori, selon notre modèle, une évolution orageuse possible entre l'Espagne, le sud-ouest de la France, le nord-est, les montagnes. Donc, des précipitations orageuses, sans doute assez dispersées en juin. En tout cas, le mois de juin apparaît comme étant vraiment beaucoup plus chaud que les moyennes de saison. Cette fois-ci, vous le voyez, on serait peut-être entre plus 1 et plus 2 degrés sur l'Europe du Nord-Ouest ici, alors que ça serait un petit peu plus tempéré sur l'Espagne. Chaud, bien sûr, mais de saison en raison des orages et des nuages. Donc, si on résume tout ça pour la France métropolitaine, pour le mois d'avril, les précipitations seraient juste de saison dans la normale, avec une douceur au-dessus des moyennes de saison, plus 1,5. Le mois de mai peut-être un petit peu plus sec, ça sera en fonction des ondées, à peu près de saison, et un petit peu au-dessus des valeurs de saison, pas tellement d'écart par rapport aux moyennes statistiques. Le mois de juin, lui, pourrait être vraiment plus chaud que les moyennes de saison, on table sur plus de degrés, et les précipitations seraient dans les normales. En juin, on peut avoir des orages. Hein. Donc on se dirige en fait vers un printemps peut-être moins sec que prévu, avec parfois des averses, des orages, mais de façon tout à fait dans la normale. Et puis sachez que le trimestre restera plus chaud que les moyennes de saison, à l'échelle du trimestre bien sûr, avec en perspective, à ce jour, un mois de juin qui serait particulièrement chaud sur la France, mais aussi avec une évolution orageuse de saison. Et on se retrouvera pour la prochaine mise au point, bien entendu, le 10 avril comme chaque 10 du mois. À bientôt, merci. Consultez également nos prévisions saisonnières par téléphone au 3201-5 et retrouvez ces prévisions saisonnières par décade pour votre ville sur météoconsult.fr.